Jésus dit, Je vais vous préparer pour les miracles de guérison. 31 octobre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Je me rappelle avoir vu un évangéliste qui guérissait à l'église, et il était si théâtral. La femme juste derrière moi avait été guérie de la cécité d'un œil. Et une fois la soirée terminée, je me suis demandé, où était Jésus? Je veux dire, il y a eu des miracles, mais à mon œil et à mon oreille, ça ne ressemblait pas à Jésus. Cela me paraissait tellement théâtral. J'avais envie de guérir les gens, mais à la manière dont Jésus le faisait. Non pas que je trouvais une faute dans la façon de faire de cet évangéliste. C'est juste que je m'attendais à quelque chose de différent. Jésus est intervenu. Eh bien, ma chérie, tu as beaucoup à apprendre. Parfois, ça se présente ainsi parce que les gens débordent de joie d'être guéris. Néanmoins, je suis d'accord que cette façon de faire peut sembler théâtrale. Et oh, comme j'aime la guérison qui vient aussi naturellement que la respiration, sans fanfare ni mise en scène. C'est une des raisons pour lesquelles je veux utiliser les âmes qui cherchent l'anonymat comme ministère. Elles n'y investissent rien, ne visent que ma joie et le bien-être de ceux qu'elles servent. Et c'est ainsi que cela devrait être. La considération qu'obtient un ministère pour ce que j'ai moi-même accompli est une pratique détestable, mais c'est très difficile à éviter dans votre culture. Cependant, une nouvelle catégorie de prophètes qui guérissent est en train d'être levée. Ils préfèrent rester à l'abri des regards et qu'on les oublie, et que les autres me voient moi plutôt qu'eux. Même quand ils les regardent eux, je veux qu'ils me voient moi. Mais cette vague arrive et je veux que Terre Dwellers en fasse partie. Je souhaite qu'ils soient oints pour être des prophètes et qu'ils travaillent avec les anges. Tu as travaillé avec des anges sans le savoir depuis des années, sans identifier leur présence. Et maintenant que ces filtres t'ont été enlevés, tu vas commencer à voir ces créatures précieuses qui sont mes loyaux, mes très loyaux serviteurs. Mes ouailles, c'est ici et maintenant le moment pour vous tous de commencer à chercher les meilleurs dons, particulièrement prophétie et guérison, et de travailler avec les anges qui sont envoyés sur Terre pour les missions de guérison. Il n'y a absolument rien d'inapproprié dans le fait de demander l'aide des anges, d'avoir recours à eux et de reconnaître leur présence. C'est vraiment la façon dont je souhaite faire les choses. Car au paradis, tout le monde a un travail à accomplir, tout le monde sert et chacun adore servir. Et j'aime tant les voir servir. Et ils apprécient beaucoup que vous les reconnaissiez pour ce qu'ils sont, sans les idolâtrer. C'est un ministère en douce coopération, et ces messagers portent une puissante onction pour faire ma volonté, que ce soit au cours d'une violente guerre ou à l'occasion d'une conférence sur la guérison. Mes ouailles, demandez-moi ce don, et si vous n'êtes pas prêts, je vous préparerai. Je vous ai amené à cette chaîne pour vous préparer au plus grand don. Et l'humilité est un prérequis absolu. L'humilité est l'effacement, le désir de n'être vu que de mes yeux. La pudeur et l'humilité vont de pair. Ceux d'entre vous qui cherchent à se cacher des hommes, se rapprochent de la fin de leur préparation. Vous vous verrez bientôt confier les plus grands dons. En fait,
Vous tous qui m'avez suivi dans l'ascension de la montagne, vous tous qui vous êtes fermement engagés à ne pas retourner sur les plaines, vous vous rapprochez de plus en plus du moment de votre équipement. L'humilité et l'amour fraternel sont les deux vertus de base dans lesquelles vous devez être fermement établi avant que je ne puisse vous utiliser en sécurité. N'ai-je pas dit, écartez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu? À ceux qui sont venus à moi en me disant comme ils avaient guéri et fait des miracles en mon nom, voir Matthieu 7, 22 à 23. Ils savaient comment faire des miracles, mais ils ne me connaissaient pas. C'est pourquoi vous êtes là à apprendre la chose la plus essentielle qui soit. Me connaître et vous donner à moi complètement, de façon à être prêt pour être équipé. Ceux qui accomplissent des miracles sans amour n'ont aucune part d'avec moi, car c'est votre amour pour moi et pour votre frère qui vous qualifie pour cette onction. Donc, j'insiste, ne courez pas après les miracles, courez après moi. Et lorsque vous m'avez trouvé, ne me laissez jamais partir, et tout viendra au moment approprié. Alors je vous préparerai à agir à ma place, car ne vous ai-je pas dit, vous ferez de plus grandes œuvres que celles-là, voir Jean 14, 12 et 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le fait d'aspirer à m'avoir toujours avec vous, vivant dans votre cœur, est votre protection. Une fois que cela est établi, je peux vous faire confiance avec les dons puissants, car vos priorités sont en ordre. Chercher ces dons tout en m'ignorant conduit à la fierté, à une gloire vaine, et endommagera mon corps plus que si vous n'aviez accompli aucune œuvre. Ce que vous êtes et ce qu'ils voient en vous lorsque vous servez sera imité dans leur propre vie. C'est pourquoi je suis si méticuleux dans la façon dont je vous entraîne et vous prépare. Il ne doit pas rester le moindre vestige d'amour-propre qui puisse s'épanouir en une véritable idolâtrie. C'est la nature de votre culture d'exalter les hommes. C'est une autre œuvre qui ne doit pas exister en vous, tandis que vous protégez avec passion mon honneur en refusant de vous attribuer le mérite de quoi que ce soit, excepté la préparation et l'équipement. À ce moment-là, le Seigneur m'a mis à l'esprit cet incident rapporté dans les Écritures, Actes 14, 8 à 15. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous !» Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant
Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Jésus a repris. C'est la nature humaine, Claire. Mais la nature humaine doit être conquise. J'ai une totale confiance en vous qui avez choisi la montée escarpée avec ses flancs traîtres et glissants. J'ai confiance dans le fait que vous défendrez mon honneur. Vous m'avez cherché de tout votre cœur et je vois bien qu'il n'y a rien de plus cher à vos cœurs que mon amour et ma présence dans vos vies. En revanche, il y en a qui enseignent comment accomplir une multitude de dons éblouissants dans le corps, tandis qu'ils me mettent de côté. Ne tombez pas amoureux des dons de bilocalisation, guérison miracle et les miracles créatifs, au point que vous oubliez l'amour précieux que nous partageons, ma fiancée. Vous serez tenté par beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais vous redresserez le tort lorsqu'ils vous attribueront la gloire. C'est donc une nouvelle saison pour vous, mes fiancés. Ayant aimé votre frère comme vous-même, m'ayant aimé de tout votre cœur et esprit et force, aimez vos frères et sœurs dans la plénitude avec mes dons pour vous.